Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être la vidéo donc tant attendue, ça va être la vidéo de mes cadeaux de Noël. Je vais commencer par les cadeaux que j'ai eu par mon tonton. En premier j'ai eu une boîte où dedans j'avais trois produits. Je peux pas du tout vous dire d'où elle vient parce que c'est mon tonton qui me l'a offert. Donc le coffret est vraiment est vraiment joli, donc je pense que je vais le garder en décoration. Sinon dans le coffret j'ai eu un shampoing comme ceci qui est pour les cheveux et qui sent le chamallow. Je sais pas si je vais l'emmener encore à l'internat ou pas, ou je vais le garder pour chez moi, mais c'est un shampoing comme ceci. Après j'ai eu un gommage exfoliant comme ça qui sent le fruit rouge, qui sent vraiment super bon. C'est un pot de 200 ml. Et après j'ai une crème pour le corps à la vanille qui est vraiment pas grasse et vraiment super bien. Donc j'en suis vraiment contente de ces produits. Je suis déjà très contente de ces deux produits là. Et là je testerai je pense bientôt et je vous en reparlerai. Après par mes parents j'ai eu une gourmette, donc là je l'ai au poignet, j'arrive pas à l'enlever parce que là ma maman me l'a attachée mais j'arrive pas à l'enlever. Donc c'est une gourmette comme ceci en argent, toute simple, il y a juste mon nom Faustine. Et puis voilà, et sinon elle était dans une petite boîte comme ceci. Donc là vous avez le petit logo de la bijouterie. Voilà, donc la boîte est super belle, donc pareil je vais la garder. Après du côté de mes parents j'ai eu une paire de baskets, j'ai eu une paire de Puma. Donc là j'ai eu qu'une paire, donc là vous avez le petit logo Puma avec le marqué là Puma. Voilà, donc c'est une paire de baskets Puma toute simple. C'est des Puma que j'ai déjà portées, elles sont vraiment confortables, elles sont vraiment super bien. Donc je crois qu'elles coûtent environ 80 € et elles viennent de chez Courir, donc elles sont toutes simples. Je vous ferai une revue sur mes Puma pour que vous puissiez les voir. Pour ce que là on les voit pas très bien, mais je vous ferai une revue sur mes Puma. Après je me suis racheté donc un sac de course. Avant j'avais mon sac Longchamp que j'ai eu à Noël il y a 2 ans. Il y a 2 ans je crois. Donc c'est un sac Espac noir tout simple. Voilà, je voulais me racheter un nouveau sac de course, donc je m'en suis acheté un. Après sinon aussi par mes parents j'ai eu une veste que je vous mettrai en photo. Donc là vous avez le logo du lycée qui est par là. Et dans le dos il y a marqué Faustine et il y a un petit dessin où il y a une vache. Voilà, donc c'est ce que j'ai eu par mes parents aussi. Et en dernier c'est un cadeau que je me suis fait. De base je devais pas me l'acheter parce que vu le prix je voulais pas mettre autant dans ce produit là. Mais c'est vrai que j'en ai entendu, c'est des choses, j'ai entendu des personnes dire comme quoi c'était vraiment super bien et que c'était extrêmement pratique. Et là maintenant je commence à vraiment m'en habituer. Donc je me suis acheté les AirPods, la première génération. Là vous avez le petit logo Apple. Là vous avez marqué AirPods. Voilà, ils sont vraiment super bien. J'ai eu le fil avec et le petit boîtier, donc je vais essayer de vous les ouvrir. Donc là je les ai depuis hier parce que je suis allée les acheter hier. J'ai fait 4 magasins pour les trouver. Là vous avez le boîtier, donc c'est vraiment un petit boîtier. Et là quand vous ouvrez voilà comment ils sont. Donc c'est vraiment ils sont vraiment super bien. Donc voilà, c'est des... au début je les avais vus à SFR à 129 € et ma mère elle me dit mais là ils sont pas à 180 €, mais parce qu'il y avait une réduction de 50 euros, mais sinon ils étaient quand même à 180 €. Et j'ai dû aller les acheter à Boulanger parce que tous les autres magasins que j'ai fait ne les avaient pas, ils étaient en rupture de stock. Voilà, donc je suis vraiment contente de ce produit là. C'est vraiment un bon son et je les porte vraiment tout le temps. J'en suis vraiment super contente. Et je vous ferai peut-être une revue ou une présentation un peu plus en description de ce petit produit là. Mais sinon c'est vraiment un produit qui est vraiment super bien. Voilà donc pour mes cadeaux de Noël 2019.
Donc je suis vraiment super contente de mes cadeaux. C'est vrai que sur les cadeaux de mon tonton, c'est vrai que c'est vraiment des choses en plus qui sont bien, parce que un exfoliant et une crème, c'est vraiment bien. Ma gourmette, pourtant ça fait pas longtemps que j'en voulais une de gourmette, mais j'avais cassé la mienne et j'avais dit je m'en prendrais bien une. Donc mes parents nous l'ont offert. Les baskets, j'avais dit que les miennes commençaient à vraiment être plus trop en bon état, donc j'avais dit il faut vraiment que je change de basket. Et on est allé faire les boutiques avec ma maman une ou deux semaines avant Noël, et un peu quand on est allé à courir, elle m'a dit je te les prends, donc elle me les a prises pour Noël. Sinon je suis vraiment contente de tous mes cadeaux de Noël. Je vous mettrai des photos de ma veste, parce que là je l'ai eu il y a déjà une semaine, mais en fait je l'ai mis déjà toute la semaine et je suis allée au cheval pendant la semaine et tout ça, donc elle sentait le cheval. Et vu comme là ce week-end et en début de semaine je vais la mettre, donc ma mère me l'a lavé pour qu'elle sente bon. Mais sinon je vous mettrai des photos de ma veste, juste pour vous parler de ma veste. Elle est vraiment aussi super bien, c'est une veste qui est imperméable, j'en suis vraiment super contente. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo que j'aime faire tous les ans parce que je suis extrêmement contente de la tourner, de la faire et de vous montrer mes cadeaux de Noël et tout ça. On est un peu tous pareil, de vous montrer tous nos cadeaux de Noël. Et c'est une vidéo aussi que j'aime beaucoup regarder. Donc j'ai été très contente de vous la tourner. Moi je vous fais plein de gros bisous aussi. Je vous souhaite une très bonne année 2020, parce que la prochaine vidéo que je posterai, je pense, on sera déjà en 2020. Ça sera sûrement sur mes baskets, pour que vous puissiez vachement les voir. Mais vous aurez ma première vidéo de l'année, ça sera sur mes baskets. Et peut-être que après je vous ferai ma vidéo sur mes AirPods pour vous en parler un peu plus. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter cette vidéo. Mettez un petit j'aime. Moi je vous fais de gros bisous. Surtout passez une très bonne année 2020 avec la santé qui va. Et puis et moi je fais encore plein de gros bisous, et à la rentrée 2020, bye!